light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire. How was I last one? Donc j'annonce officiellement, sous quelques grelons au départ, le lancement officiel de notre bivouac numéro 2. En fait, c'est le numéro 3, mais le premier, on l'a pas filmé. C'était un brouillon. C'était un bivouac brouillon, MBT. Voilà, exactement. Donc, il est 18h02, il fait 11 degrés. Elle vient de me pourrir le pare-brise et nous sommes partis. On se retrouve sur spot. Il est donc 19h05, mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à destination. Ils ont les doudounes. On va sortir la doudoune. Eh oui, 11 degrés. 11 degrés, ma petite dame. On est arrivé pour le coucher de soleil. Donc, bah en fait, vu les températures annoncées, on a décidé de respotter au même endroit que la dernière fois. Parce que c'était très bien. Et là, il y a vachement moins de monde en plus. Il y a 3 vannes et demi. On va être tranquille. Voilà. Donc, on se met en place pour l'apéro maintenant. Il pleuviote un peu. Il pleut. Putain, c'est ma femme, elle est complètement barrée. C'est bien. Hop. Putain, ma femme, quoi. Moi, je fais la table. Alors, vu un temps de merde, on se fait le bureau. Reverrai-je pays merveilleux où ceux qui s'aiment vivent à deux. Il pleut. On fait le bivouac. Et ben on y est. Ben on va aller. Donc ce qu'on va faire, c'est que c'est ça l'aventure, c'est ça qui est beau, c'est qu'on va prendre ça et on va s'asseoir là et on va contempler les choses en musique, tranquille, voilà, avec la chienne trempée. Oui, tu vas aller devant. Bon ben. C'est très très beau, hein. Sous la pluie, c'est beau aussi. On dirait au loin là-bas qu'il va y avoir comme un tsunami, peut-être. Et là, on voit le nuage de pluie s'en aller. Donc bon, ça va s'arrêter dans 3 minutes, mais en attendant. Cheers! Trinque à votre santé. Enjoy life. Bah, il faut dire des petits mots anglais de temps en temps, paraît que ça fait bien. Van il faut aussi qu'on dise I'm so excited. Mais attends, c'est moi qui le fais. How beautiful the mountains are. It's so amazing. Bla bla. Bah, on va en trouver d'autres. Louise, c'est la merde, hein. Donc pour vous montrer. Comme ça fait vite être compliqué. On a les caisses de bouffe, tout le bordel. En fait, on n'a pas eu le temps de mettre des choses devant et s'installer correctement. On avait prévu de surtout boire un coup dehors. Mais regardez, même si j'ai froid, c'était bien. C'est en train de partir. Et regarde, tu le vois là, clairement rien. Tu vois ça? Ça? C'est la pluie qui s'en va. C'est le nuage de pluie qui part et on va peut-être même avoir un coucher de soleil. On va avoir un coucher de soleil. Parce que Monsieur Timelapse est prêt. T'as vu à gauche, regarde. C'est fou. Alors, on a vu derrière moi. Parce que derrière moi, c'est les gorges du Verdon. On le saura. Le mec est pas obsédé. Only for me.
minutes en frais. Il fait 3 minutes en frais, c'est juste fou. Oh là là, c'est dingue là-bas. C'est complètement laissé. 100% sans retouche. Donc il pleut plus, je sors le matos. Dingue quand même. Donc, accessoire fabuleux du Kangoo Maxi, le porte-bière. Alors attends, merde. Je peux me filmer. Voilà, tu bouges pas. Hop. Hop. Le porte-bière. Et c'est livré sans option supplémentaire. Tu payes rien de plus. Ça va avec. Donc, moment de vie. Je te vois pas, mon amour. Attends. J'ai cru voir un gros minet. Attends, faut qu'on te voit. Non, c'est vraiment pas. Donc le bruit, le bruit que vous entendez, c'est la pluie. Donc on va se faire une petite soirée improvisée. Donc il est 8h20 du matin, bonjour à tous. Donc nous avons une nuit de folie, tempête de vent toute la nuit, très 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 froid. Et voilà, et là on se lève, bah, c'est juste magnifique. On a un peu chillé, 8h20, parce qu'on s'est réveillé plusieurs fois cette nuit et du coup bah, on a un peu rattrapé le sommeil. Et voilà, même la chienne est contente. Et là, je m'improvise un café en planque dans la voiture parce que ça va être un peu tendu. Peut-être que je vais me mettre sur la planche, ça peut être pas mal là. Bon. La belette se cache. Par ce froid de canard, la belette se cache. En thermotactile, là, ça fait trop bien le job. En bas, je sens pas l'air passer. Sans déconner. De ma gueule. Je te fous de ma gueule. Non mais attends, je faisais un plan morning slow coffee et tout. Slow coffee. Je me prenais pour une américaine trop en place. Ouais, tout gâché. Donc, ceci est un petit déjeuner de randonneur. Ça plaisante plus. Maman Louis. On est parti. 50 minutes du spot. 50 minutes de route. On y va. Tranquillou. Je suis pas pressée. On s'est préparé sereinement.
Donc voilà, on est arrivé sur spot. Alors là, je sais pas si vous voyez, il y a la neige en haut. C'est génial. Et a priori, on va monter. Et celui qu'on monte, on le voit pas, mais il est derrière, là. Et on va monter à peu près à la même hauteur. Donc on a un petit peu de chance, on va avoir de la neige. Parce que là, il y en a. Et là, il y en a. Voilà, la route est fabuleuse. Et tout est génial. Bon, bah, comme d'habitude, par contre, on a fait la boulette, on n'a plus d'essence. Donc, moment popote, parce que stratégiquement, au vu du vent qu'il y a, on s'est dit que ça allait être compliqué de faire cuire en haut. Donc, on prépare maintenant. Parce que, bah, y a du zèf, quoi. Donc, je sais pas si vous voyez derrière, mais c'est juste grandiose. C'est grandiose. Fou. On en prend plein la gueule, c'est magnifique. Bon, qu'à l'attaque, c'est parti. Once in a while, I grab my coat and I drive into town, where I hope I'll see you walking around, just like I used to. And these days burn fast, faster than my cigarettes can turn into ash. So I just dream about the time I saw you last, and all the other times too. Oh, and Gloria, I've tried all of their prescriptions, but nothing makes these long nights end. There ain't a single goddamn thing that I wouldn't give to see you at my door again. Lately all I've seen is rain. France gratte cul. And your face inside a 100 picture frames. But you haven't missed much here, it all stays the same. And I guess I like it that way. So if I ever call your name, oh love of mine, it's just because I like the way it rings. For you I wait forever in the wings, even when the light is gone away. Oh, and Gloria, I've tried all of their prescriptions, but nothing makes these long nights end. There ain't a single goddamn thing that I wouldn't at my door again. Oh, and Gloria, I've tried all of their prescriptions, but nothing makes these long nights end. There ain't a single goddamn thing that I wouldn't give to see you at my door again. Ouais. On vient de tout en bas, tout en bas. I might go to Spain
sleep out with the dogs. Find some empty castle and put my jacket on across. The mice are in the fields and the ghosts are in the towers. Little wind, I'm with you in the roadside flowers. I might go to town, drink myself away. Find some singing bird and try to step inside her cage. But I might go to waste and I might be a coward. But little wind, I'm with you in the roadside flowers. And I wish that I had stayed in that river house with you. Pulled away the weeds and let the wild roses bloom. But all the hanging plums one day will go sour. Little wind, I'm with you in the roadside flowers. Donc on est au mois de septembre. Don't you wanna fly with the highland birds? Don't you wanna plant in the colander? Maybe it's my fault and maybe it's my power. Little wind, I'm with you in the roadside flowers. Ça doit faire à peu près 15 ans que j'ai pas vu la neige. Wouhou, c'est génial. Qu'est-ce que c'est, Louise? Qu'est-ce que c'est? Elle est en folie, la chienne. Ah, c'est trop beau. J'arrive. Les toilettes. Bon bah voilà, on est reparti. Donc on a mangé. Alors on a mangé avec 3, 4 jeunes. On venait de les étudiants en bonheur. C'était super sympa, ils étaient tranquilles. Et voilà. Donc on a mangé, ça fait du bien. Moins froid. Et on attaque la redescente. Voilà. Sur ce paysage extraordinaire. Le caca, c'est l'heure du caca. Le caca sur la montagne. Singing on the sacred harp, let me through the cold and dark. Alors normalement je dis bon alors, je le dirai pas. On est arrivé.
Ça y est, on l'a fait. Trop bien. Ah putain, le vent. Donc c'était trop bien. C'était notre premier gros dénivelé. Donc c'était presque de la montagne déjà, 2000 mètres. C'était magnifique en haut, comme vous avez vu. Et on est content. On débriefera plus longuement tout à l'heure. Voilà. On profite de vous. On est en mode camping sauvage. On a décidé de trouver un vrai spot sauvage. Donc on s'est rapproché de Moustier parce que demain on a notre deuxième rando là-bas. Et on est ressorti de Moustier, on a réavancé un peu, on a pris un truc. Alors on fait un truc qui est totalement interdit, mais juste on vous montre quand même, c'est cool. On est où ce qu'on est. On est seul. Et on est tout seul. Il n'y a personne. On va libérer l'engin. Allez. Yeah. Voilà, je pense que là, personne va nous casser les noix. Donc ce soir, on se pose là et je peux vous dire que je vais faire des photos d'étoiles, à mon avis, mais d'un autre monde. Il n'y a que ces nuages-là, mais qui vont se barrer. J'en suis sûr, il y a du vent. Et là, par contre, on va pouvoir shooter avec les étoiles derrière. Ouais, patapata, je te dis pas. Donc moi, je propose d'appeler cette vidéo... Moi, je propose d'appeler cette vidéo les apéros de l'extrême. Tu en veux du gras là? Putain, mais c'est plus sympa. Il est le moins cher. Le moins cher? Il va nous perfumer la voiture. Oh, pépé. Donc, c'est top. Franchement, c'est top. Le seul truc, c'est ce putain de vent. C'est pas grand chose, ça doit souffler à aller 50-60 peut-être. Mais alors, tu passes d'un ressenti de 6-7, ce qui est respectable, à un ressenti qui a moins de 3, quoi, tu es gelé. Voilà. Et moi, comme j'avais le sac à dos cet après-midi qui me tenait chaud, eh oui, la bidoune qui est trempée. Qui est trempé, qui a pas séché, qui est trempé. Donc là, c'est en mode survivor. Voilà. On va boire extrême. On va boire un peu d'alcool. Ça va nous réchauffer. Et puis après, bah, on va se faire des câlins. Des câlins, quoi. Pour se tenir chaud. Et voilà, mais c'est super. Et je vous dis que dans 2 heures, Là, ça va être de la folie. Il va y avoir les étoiles partout, mon frère. Partout, il va y avoir les étoiles, mon frère. Ça va exploser dans ta figure. Tu vas rien comprendre. Une étoile là. Comme ça, ça va exploser dans ta figure, mon frère. Tu sais pas quoi, tu te prépares. Oh, l'ouvre-bouteille. C'est pas grave, donne. Moi, je te l'ouvre sans l'ouvre-bouteille. Ça sert à rien. Elle a pas fait la frique, la femme, là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est pour quoi? Yeah, hein? Je l'ai trouvé, tête de cul. Tête de cul? Elle dit tête de cul de moi. Je l'ai trouvé, tête de cul, là, vous bouteille. On va fermer la porte là-bas. Hein? Tu as ta bouteille là? Oh putain, il y a une voiture qui vient de passer, il nous a même pas vu. Ah, parce que c'est parfait. C'est parfait ça. Ah mon frère, qu'est-ce que ma fille? Nous avons la bouteille, mon frère. On dirait ma fille, elle est stressée. Ah la bouteille, si j'avais su, je ne prenais pas la planche à découper, je découpais là. Ah, je ne me faisais pas chier. Elles sont où celles-là? De la maison? Oui, dans le cellier en haut, les étagères. Mais moi, j'ai beaucoup de maman. Monde vie. On se fait du concombre avec des nouilles soba et la sauce asiatique. Et Louise mange le cœur du concombre. Donc installation. Mmh.
Faites attention hein, quand vous faites ça. Ça permet de gagner quelques degrés dans la voiture. Surtout qu'on a laissé toutes les portes ouvertes. Oui, ça sert à rien. Il n'y a plus de vent. Il n'y a plus de vent. Alors, on voit rien, mais on a droit à une lune sublime. Et on a eu un coucher de soleil dans notre monde. Voilà. Je suis affolé de voir comme la batterie tient là-dessus. C'est incroyable. C'est génial. Bon, bref, je filme le noir, ça sert à rien. Hop. On est trop bien. Et c'est là qu'on est vraiment, vraiment bien. C'est-à-dire qu'il n'y a personne pour nous casser les couilles. On a trouvé quand même 2-3 papiers toilettes par terre, mais c'est des arrêts pipi. Mais là, bon, alors ce qu'on fait là, théoriquement, c'est totalement interdit, bien sûr. Donc nous, on fait super gaffe. Hein, on repart, on n'a rien laissé derrière nous. Aucun déchet, on fait pas de feu, on prend aucun risque. Voilà, mais c'est juste génial de pouvoir le faire. Il n'y a vraiment personne à la ronde. On s'est trouvé un chemin, on vous dira pas où. On a. Eh ben oui, hein. On s'est mis dans un petit coin. On n'est pas loin de Moustier, c'est tout ce qu'on peut dire. Voilà. Et c'est juste parfait. Donc, bon, il y a de la lune. Je vais essayer de faire des étoiles. Ça en commence... fait, les coins de bivouac, c'est comme les champignons. Tu dis pas? Non, ça se dit pas les coins bivouac. C'est comme les coins champignons. Bon, il y a quelques étoiles qui commencent à sortir. Donc, on va essayer. Il y a de la lune, mais on va essayer quand même. Ça sent bon dans la voiture. Donc ce soir, le chef. Attends, je vais éclairer un peu. Vous propose des nouilles soba. Génial. Nouilles de sarrasin. Japonais. Japanese food. Oh, I love Japanese food. Avec une sauce japonaise, soja, citron, gingembre, ail. On va sentir bon de la bouche ce soir. Et avec un peu par-dessus de la levure maltée. Et c'est tout. Et ça va être sain et bon. Et ça va caler. C'est top. C'est parfait. Je cuisine avec des gants pas vegan. Ah non, les gants sont pas vegan. Non. Mais ça, c'était avant. Pourquoi tu mettrais plus des gants vegan? Non, parce qu'ils sont trop chers. Maintenant on n'a plus de sous. Ces gants sont mon cadeau de Noël de l'année dernière. Non? Ouais, l'année dernière. C'est des gants en agneau. Alors attends vous dire bonjour l'éthique. Salut les véganes qui nous regardaient. On n'a pas fait exprès, on a trébuché dessus. Et voilà. C'est prêt. C'est juste merveilleux. Ah non, allez, amazing. On va manger maintenant. Amazing. Amazing. Ça vous donne des idées, une table. Voilà, et ça montre aussi que... C'est une planche en bois. C'est une planche en bois. J'ai fait le niveau au pif. Une planche, une autre planche en bois. Et le réchaud tient très bien, la casserole tient très bien. Donc on fonctionne avec le premier prix de réchaud hein, vendu chez des Katzboots. Et on, voilà, toujours dans l'esprit d'essayer de dépenser le moins possible et montrer qu'on peut profiter de la nature, dormir dehors, s'éclater. Pourquoi dépenser le moins possible? Voilà. Parce que les chaussures de rando, on va vous expliquer. On fera une vidéo sur la chaussure de rando. On a préféré investir. Et on vous expliquera pourquoi on choisit ça. Et oui. Il y a certaines choses sur lesquelles on préfère mettre de l'argent une bonne fois. Et voilà, mais voilà, là sur ça, c'est juste en tout cas pour dire qu'on peut se faire vachement plaisir. Ça a l'air vachement bon. Je suis sûr qu'on va se régaler. Oui. Et que c'est tout simple, c'est tout bête. Voilà. Donc on va manger. À plus tard. Bon, enfin voilà. On est calé, donc il fait froid, la chienne est devant à sa place, tout va bien. On a mangé. Sur elle pour nous chauffer la voiture, mais nada. Ça fait du bien, et on a bien mangé. Je fais quelques photos sympas. Manger. L'homme a bien mangé. On est content, waouh. La journée est réussie. Voilà.
Et on vous dit à demain pour l'ouverture des portes. Voilà pour la fin. Voilà. Un petit. Yeah. Si dis pas voilà. Mais je sais pas comment. J'ai les dents blanches. On voit que moi. En moins de plus. Parce que j'ai pris un coup de soleil. Ah oui. Omar. En mode Omar ce soir.